Hello tout le monde, c'est Sac Dream, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Outlast Whistleblower. J'ai toujours du mal avec ce putain de nom. Donc du coup, on avait eu le gros lard qui nous avait poursuivi jusqu'à cette fenêtre, mais du coup il m'a un peu lâché la grappe. Et j'avais, je crois, oui, niqué deux piles. Donc du coup, on n'est pas dans la merde. Alors... Wow. C'était quoi ce bug? D'accord. Ça sert pas tellement à grand chose. Hein. Mon avis, faut que j'aille là. Je déteste cette vue. Je déteste cette vue. Je déteste... Ah. Je passe par là. Ah ouais. Putain, le mec, il est agile, hein. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Oh, y'a personne. Ah, c'est pas une église, ça? Aidez-moi, quelqu'un, j'ai besoin d'aide. Coup de jus là-bas. C'est qui joue avec l'électricité? On va rentrer là, à mon avis ça doit être par là qu'il faut aller. Ah, par contre il y a un dossier. Waouh. C'est qui lui? Hé, hey, c'est un nouveau perso. Jamais vu sa tronche lui. Mais j'ai pas trop envie de le connaître en détail en fait. Vu sa gueule, il a pas l'air d'être quelqu'un de très aimable. Et ouais, je rentre là-dedans et il se passe quoi après? Une radio. D'accord. C'est histoire de se la couler douce, c'est ça? Ah, c'était là. Ou c'était ouvert? Bah, c'est d'où je viens? Je suis con. Ah non, je viens de là, moi. Donc, du coup, faut que j'aille là. Voyons voir, voyons voir. Ah, par ici. Les longs couloirs comme je les aime. Et quelqu'un? Si vous êtes là, montrez-vous. J'aime pas les petits sursauts. Ça a l'air d'être au-dessus. What the fuck? Le mec il se... Non. Il se... Oh, c'est dégueulasse le mec, il se touche. Putain, il y a tout. Le mec il dit en plus qu'il ressent. Oh. Comment avoir envie de... Bah voilà. Tu pourras pas te toucher en paix. Oh, c'est dégueulasse. C'est vraiment immonde. C'est ignoble, ignoble, ignoble. Dark. Et ouais, donc du coup... Ah, donc j'ai coupé l'électricité, donc maintenant je peux peut-être toucher à la porte qui avait des coups de jus. C'est peut-être ça. Ah! Mais j'ai coupé l'électricité, les gars! Ah, peut-être là. Mais c'est pas d'où je viens, mais si. Voilà. Ah, là, ici, peut-être. Ah, j'ai pas envie. J'ai pas tellement envie de revoir le mec qui se touche, en fait. Ah, ils ont vraiment aucune gêne pour faire ce jeu. Le mec qui viole les cadavres. Le mec qui se touche sur des cadavres. Mais non, te cache. Ah, il y a du sang.
Ah, il a fini ses petites affaires et il s'est cassé. Non mais... Tu éteins. Ah putain. Ah, ah, il m'a foutu les jetons ce con. Bitch. Vite. Je sais pas quelle porte j'ai le choix entre, je sais pas combien de portes à ouvrir. Celle-là? Non. Celle-là. Oh! La peur de ma vie ce con. C'était l'autre qui se touchait. Bon, il a eu sa dose et maintenant il vient faire chier son monde. Pourquoi c'est devenu sombre d'un coup comme ça? C'est très sombre. Je n'aime pas ça. Le mec respire comme un porc. Ah, je crois qu'on va devoir aller par ici. Ah! Quoi ce truc dans l'eau quoi? Quelqu'un qui a jeté une pierre? C'était pas drôle. Même la plus petite pierre peut te faire flipper sur Outlast. Comme quoi. Oh! Il a sauté. Ok. Vous savez que le suicide c'est très mal monsieur. Non franchement c'est très mal. Je te jure ils sont complètement barges dans ce... Bon d'un côté il a pas tort de se suicider. Vaut mieux mourir que rester dans un endroit comme ça. Puis ça fait un fou en moins à esquiver. Ah! Voyons. C'est le Wayrider, si je me souviens bien son prénom, c'est ça. Non, on peut pas grimper. J'aurais voulu faire la même chose que le mec, sauter et en finir une bonne fois pour toutes. Je veux pas prolonger le jeu. Ah il a sauté d'ici quand même. Le con il s'est fait mal. Alors, en plus c'est bien au trou du cul du monde quoi le manoir. La sortie c'est par là-bas. Donc on va vite se dépêcher à... Non mais tu t'es cru pour Prince of Persia ou quoi? Ah quoi que hein. Et il gère hein. Allez, oh non, non. Ouf. Allez, prends-toi quelques planches dans la gueule, histoire de t'assommer un peu. Et oui, voilà, t'as voulu jouer le fou. Hein. Tu t'es cru pour Prince of Persia, mais tu n'es pas Prince of Persia. Du coup, je crois, j'espère que t'as pas pété ta putain de caméra. Elle est où? Vous n'avez plus de caméra. Allez vous faire foutre. Ah non, c'est... Oh, le nickel. Pas besoin de sœur. Tu n'es pas assez vieux pour t'en sortir. L'avons. Timmy, tu parles. Tu parles de fille. Putain, pourquoi j'ai... Putain de caisse qui m'empêche de bouger. Faut que je monte où? Il faut que j'aille où, bordel? Ah, par là? Non. J'aime dans ce genre de jeu quand tu sais pas ce qu'il faut que tu fasses. Ah là. Et moi qui tourne en rond depuis tout à l'heure en me demandant qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il faut passer là. Mais une pile. Je vais décrire tout ce que je dis. C'est une pile? Non.
Allez. Faut que je fasse quoi cette fois? Que je grimpe? Non. Ah ok, je suis passé. Et alors? Ah, je passe par là. Bon, j'arrive toujours en retard. Attends. On peut peut-être avoir des images. Oh non. Ah, par ici. Mais elles viennent d'où ces putains de voix quoi? Zeto. J'adore entendre des voix mais pas savoir d'où elles proviennent. Pour le marier? What the fuck? Organiser un mariage? C'est quoi ce bruit? Sérieux les gars, commencez pas là, c'est pas drôle. Les gars? Putain mais je tourne en rond ou ça se passe comment? Oh! Oh merde! Le mec s'est littéralement pendu quoi. Putain, c'est la journée du suicide ou ça se passe comment? Oh! Si nous attrape, il nous livrera à lui, l'homme en bas. L'homme très méchant. On dirait limite Gollum lui. Il a des airs de Gollum. Putain, j'ai déjà niqué ma deuxième pile. Je sais pas c'est qui parle, si c'est le prêtre ou le malade avec les ciseaux. Ah c'est peut-être le malade avec les ciseaux. Ah non, bon, je vais pas le revoir. Bon j'ai eu ma dose. Mais c'est là qu'il y avait le mec. Ah, c'est là. Mais c'est que ça devient beaucoup éclairé, c'est classe. Allez. Mais c'est qui tous ces timbrés qui parlent quoi? Ah, je supporte pas ça, entendre des voix et pas savoir d'où elles proviennent. Ah, faut monter là. Me donner au marié? Mais je veux pas me marier. Oh putain! Vite! Faut que j'aille où? Mais lol! Je fais... Non! En fait il est con le mec, il veut me mettre des coups depuis tout à l'heure mais il me rate. En fait je tourne en rond c'est ça? Non! Ah! Pourquoi vous m'insultez? J'ai rien fait. En fait, je tourne en rond, c'est ça, c'est... Oh. En fait, faut que je fasse quoi, putain? Mais oui, faut que j'aille là. Non. Shut up. Ils sont tellement... Allez monte et on se casse. Putain. Par là. Monsieur Glunkin. C'est quoi ces trucs à coudre là? Ah, c'est une blague là. Attends, c'est une tête.
Petite coupure devant ce truc atroce. Oh, putain, mais je suis où là? Welcome, welcome home. Je suis chez moi. Putain. On se retrouve vraiment dans une ambiance. Ça devient vraiment de plus en plus glauque. Hein. À côté de ça, le jeu entier, c'est de la gnognotte. Y a quelqu'un? C'est trop calme. Putain, faites du bruit, je sais pas. Faites du bruit. Oh putain! C'est qui ce psychopathe? Genre en plus le mec, me voilà. T'es fait peur, je suis vraiment désolé, je ne voulais pas. Quoi, je t'ai déjà vu? C'est pas possible. Que je m'y vais. Cache-toi sous une table. Me rend... Ah! T'es un putain de pervers en fait. Oh merde, il est là. Je finis. Non, je... On va se cacher là, il va bien... Oh merde. Il va bien finir par... Par revenir. J'ai peur qu'il se retourne d'un coup. Non, c'est bon. Il y avait une porte quelque part. Il est bien arrivé par quelque part. Par là. Lumière, s'il vous plaît. Ah, oh, c'est glauque. J'aime pas les robes de mariée. Quand j'étais petit, ma mère me disait souvent marie-toi. Comment ça je ressemble? Ah non, j'ai mal lu. Je croyais qu'il disait que je ressemblais à la fille de ses rêves. Je suis pas une fille, putain. Je vais baisser mon froc, tu vas voir si je suis une fille. Putain, mais je tourne en roue, ça se passe comment? Ah non, je reconnais pas cette salle. Non, non, non. Oh, merde. Oh, il manquerait plus que tu te prennes l'échelle dans... Oh, non. Mais qui... Mais oui, je veux... Je peux pas mourir avec... Enfin, je peux pas mourir ou... Enfin, j'ai pas envie d'être avec toi. Putain, je vais pas boiter jusqu'à la fin du jeu quand même. Oh.
Oui, c'est ça, monte, comme ça moi je me casse là. Non, le troll. Putain, mais c'est quoi tout ce sang? Cache pas, abruti. Oh, oh, cache-toi. Smell of my love's auger, darling. Non, il savait que j'allais me cacher dedans. A delicacy. Ah. C'est quoi ce mec? Ah oh. C'est quoi ce mec, putain? Je peux rien faire. I've been vulgar. And I want to say I'm sorry. I just... You know how... Mais je suis pas une femme, putain. But after the ceremony, I've made an honest woman of you. I promise. Be a different man. Mec, lâche-moi. I want a family, a legacy, to be the father I never had. I'll never let anything happen to our children. Not like... On peut pas avoir de gosses si t'es au courant. Deux hommes ne peuvent pas concevoir. Putain, ça l'a tellement rendu taré qu'il sait plus qu'est-ce qu'est une femme. Oh mon dieu. C'est quoi ça? Il y a des cadavres qui pendent, il y a du sang partout. Oh le mec il m'empoisonne quoi, enfin il m'endort. Et c'est la fin pour notre informaticien. À 12, oh putain le mec il s'est tapé un somme complet quoi. Ah il est resté dans le caddie pendant... Oh. Oh non, on va pas... Attends, mais c'est plus Outlast, ils auraient pas dû appeler Outlast le jeu, ils auraient dû l'appeler Saw, ça va plus vite. Si on voit le mec se faire trancher en... On entend les bruits déjà. Oh! Ah oh, le mec il lui coupe les burnes. Oh c'est atroce. No, I'm so sorry, darling. Love isn't for everybody. Ah oh, c'est répugnant. Ah oh, je me rendors. 12 heures plus tard. Ça serait drôle. On va se réveiller combien de temps? Ah. 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 Oh merde. Eh mais le mec il est plus taré que le mec avec les cisailles et le gros porc réuni. Hein. Ah. Et du coup il se passe quoi? Mais il y a des mains. Oh my gosh. Oh mon dieu, j'ai une vue magnifique sur mes bourses. Eh mec, maintenant tu sais que je suis pas une femme. T'as vu que j'avais des
Mais qui m'a déshabillé. Has to suffer some things. It's not pleasant, I know. But just try to endure. Mais putain. For the sake of our children. Il me fait peur. It won't take long. A few snips of the flesh here and here. Cut away. Tout ce qui est vulgaire, c'est-à-dire ma. A soft place to welcome my seed. Ah, le mec il veut vraiment me. Oh non. 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 Je veux pas mourir avec un burn en moins. Ah. Ça va piquer. Non. Oh. Merci. Oh. Moi je me trimballe pas à poil. Ouais, remets tes vêtements quand même. Et reprends de caméra. Bon, par contre, ouais. Profite qu'il y a une sauvegarde et on va se laisser sur ça parce que j'ai pas envie que les vidéos elles fassent toutes 30 minutes. Le jeu, je vais le finir en 4 épisodes sinon. Du coup, on va se laisser là. C'était suffisamment perturbant avec ce gros malade. Et j'ai plus de piles, putain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook, mon Twitter et me poser des questions sur Rez, que je suis toujours ouvert à cette proposition. Je sais pas quand je vais sortir le prochain épisode, mais je sais que je vais sortir beaucoup de vidéos. Enfin, je vais essayer d'en faire beaucoup. Au cas où, pour prévoir si je ne serai pas là d'ici un bon bout de temps pour éviter d'être un peu trop irrégulier dans les sorties de mes vidéos. Et sur ce, bah, on va se lâcher sur ça, sur ce gros malade mortel qui m'a perturbé pendant pratiquement 30 minutes. Sur ce, je vous dis à bientôt et passez une bonne suite si vous regardez mes vidéos. À la prochaine. Abonne-toi.